Hello les amis, c'est Lozero. On se retrouve pour une nouvelle découverte de jeu sur 10 Minutes Still Down, qui est en fait la démo de 20 Minutes Still Down, une sorte de jeu, vous allez voir, vous connaissez le système. Alors il y a notamment eu Vampire Survivors dernièrement sur le même style. Voilà, on a un perso au début, une arme, mais on va vite en débloquer. Et vous verrez, le système, c'est le même. On est dans une map, il fait très sombre. Il y a des yeux qui viennent vers nous, vous allez voir, voilà, des yeux ici. Évidemment, on tire dessus et ça fait des boulettes qu'on récupère pour gagner des levels. Voilà, et puis level up son arme. Alors, pour l'instant, je vais très lentement, je tire pas très vite. Mais ils sont pas très nombreux au début, hein, c'est tout le principe de ce genre de jeu. Bon, vous allez voir, j'essaye en fait d'appliquer une technique, je les farm tous à un même endroit et je fais des ronds sur moi-même pour essayer de repasser, récupérer les boulettes ensuite quand il n'y a plus personne. Ça marche assez bien et voilà le premier level up. Haste, donc la vitesse, Frost pour les gelées, Power Shot, Double Shot, je pense que c'est bien, on va prendre ça. Yes, c'est bien plus efficace. Bon, j'essaie toujours de récupérer les boulettes. Ils sont pas très nombreux, c'est gérable. Ah, je rate mes coups. Et ça pardonne pas au bout d'un moment. Mais en fait, ils sont tellement nombreux après qu'on peut rater autant qu'on veut. J'aime bien ce genre de jeu, moi je trouve ça chill. Ceci dit, ça devient vite stressant. Alors, Spitfire, un shield. Ah, ça pourrait être intéressant, un shield. Pyromage qui fait quoi? Qui brûle les ennemis. Écoutez, on va tester ça. On va les cramer. Bon, pour l'instant, je m'en sors assez bien. J'ai l'impression qu'on peut tirer sur les arbres. Mais je sais pas trop ce que ça fait. Oula, là c'était chaud. Je vais essayer de prendre un peu de large. Ah, il y a un ennemi un peu spécial, vous voyez, en blanc. On tire dessus, il explose. Voilà. On peut s'en servir de ces ennemis, évidemment, pour les faire exploser au milieu de la foule. Là, il commence à être nombreux. Ah, il y a un autre blanc qui arrive au-dessus. Pas se faire enfermer. Ah, voilà, il y a des blancs au milieu de la foule. Je vais essayer de tirer dessus. Ah, d'abord un petit level up. Vitality. Ah, des HP. Non, pour l'instant, ça va. Rapid Fire. Ça, Rapid Fire, c'est intéressant. Power Shot. Allez, Power Shot. Boum. Voilà, de la puissance. Un peu de puissance. Ah, oula, on s'est enfermé. Ah, j'ai pris un dégât. On a 3 cœurs hein, en haut à gauche, donc ça pardonne assez peu. On peut récupérer donc des HP, on peut avoir un bouclier aussi, qui permet d'être touché une fois et qui se régénère en 5 minutes. Mais là, je prends de l'offensive, hein, puisque bien sûr, la meilleure défense, vous le savez, c'est l'attaque. Bon, ils sont nombreux, on va essayer de récupérer des boulettes, de level up un peu. Ah, il y en a un qui a explosé. Il y a du monde qui arrive en bas. Oula, la vache. Il y a du monde qui arrive... ne pas se faire enfermer, surtout ne pas se faire enfermer. Et évidemment, essayer de gagner de la vitesse en ne tirant plus à des moments pour marcher plus vite. Est-ce qu'on n'aurait pas de la vitesse là? Moi j'aimerais bien aller un poil plus vite. Non, par moment. Rapid fire. Si, la vitesse de tir, c'est intéressant aussi. Yes, rapid fire. Très bien. Ah voilà. Double munition et rapide, ça va beaucoup mieux. Bon, je vais essayer de les farm là tous au milieu et ensuite je passerai récupérer les boulettes. Les armes, j'ai toujours pas compris s'ils pouvaient exploser. Il clignote celui-ci. Bon, là il y a plein de boulettes, là on va se faire plaisir. Je pense qu'on va level up là-dessus. A priori, mais bouge. non, ça a pas suffi pour level up. Je pense qu'il y a des boulettes un peu plus bas vers la gauche là, mais je vais pas réussir à y arriver. Il faut que je remonte. Ah, là quelques-unes. Oh, ils sont dans un étranglement, faut que j'en profite pour m'en faire quelques-uns. C'est dommage qu'il n'y en ait pas que je puisse faire exploser au milieu. Ah si, il y en a deux. Il y en a deux, je peux faire ça. Voilà, mange. Ah, l'autre a pas explosé. Un boss, regardez le rouge. Vous avez le rouge avec ses tentacules. C'est un boss. Alors le boss, quand on le tue, il drop un coffre avec un perks particulier. Bon, ici, on a enfin un level up. Est-ce que je prends Vitality? Non, pas encore. Quick End, ça peut être pas mal.
Ah voilà. Donc ça c'est un truc qui, vous allez voir, voilà, ça fait des belettes en cercle. Donc ça, la dernière balle part en cercle. Ça peut être sympa quand on a vraiment de la foule autour de soi. Et là, ça commence à être chaud hein, en réalité. Le boss me poursuit. Et je le focus pas tellement là. Bon, on fait exploser du monde. On se barre vers le bas. Oula, c'était chaud. Accélère. Ah voilà, ils sont dans un boulet d'étranglement là, c'est parfait. On va bien bien les farm. J'ai perdu le boss. Ouais, allez, il est au milieu. Il est au milieu. Je sais pas, je pense qu'il peut me rush un moment, je suis pas sûr. Alors calmez-vous, hein. Voilà, des boulettes. Je prends. Je prends les boulettes. Ici. Ah, on va level up. Yes. Splitfire, sympa ça. Rubber bullet, je crois qu'elles rebondissent. Electromage. Ah, des éclairs. Ça peut être sympa. Des éclairs pour m'aider un peu. Ok, on prend ça. Bon, ce boss ne veut pas mourir. Oh non, j'ai pris un dégât idiot. Et on vient m'exploser la gueule. J'ai plus qu'un cœur. Plus qu'un cœur de vie. Faut que je m'en sorte. Le boss est toujours sur moi. Ça y est, je l'ai eu. Le coffre est tombé, vous avez vu. Au milieu avec la flèche. Il faut que j'arrive à le récupérer. Du coup, je vais faire des cercles. Essayer de me débarrasser de tout ce monde. Et faut que j'aille en haut, donc, chercher le coffre. Si j'y arrive. Ouais, ça doit le faire, ça doit le faire. C'est bon, je suis dessus. Qu'est-ce qu'on a eu? Splinter, les ennemis qui explosent avec 3 balles quand ils sont tués. Ah oui, ça c'est très très fort ça. Ok, non si si, on le prend bien sûr. On a le choix de le prendre ou de le laisser. On va le prendre. Ah oui, c'est très fort. Ah ça va faire le ménage ça. Oh oui, ça va faire le ménage ça. Oh là là, oh oui. Ah c'est très puissant. C'est très puissant. Ok, on va se faire plaisir, on va level up du coup. Lightning bullet haste, un peu de vitesse. Ouais, c'est ça qui me manque. Ah, c'est beaucoup mieux. En fait, la vitesse, c'est vraiment important pour sortir des situations difficiles. Et pour level up plus vite, évidemment. Vitality, oui, j'ai plus qu'un cœur. Ça serait pas idiot. Faisons ça. Ça y est, j'ai 4 cœurs, et dont 2 actifs. Peut-être m'en sortir un peu plus longtemps. Oh, le boss me rush. Oh, il m'a rush. Oh, j'ai perdu un cœur. Barre-toi. Oh, je suis à la limite de la map. Le boss. Ah, il m'a eu. Il m'a eu, c'est la fin. Je suis mort. Je suis mort. Ben voilà, c'était 10 Minutes Still Down, qui est la démo de 20 Minutes Still Down, que je vous recommande. Hein. Il est vraiment cool. Vous le trouvez sur Steam. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, bon, on se retrouve peut-être bientôt. Vous avez remarqué qu'il y a peu de vidéos sur ma chaîne. J'ai pas trop le temps, mais je compte bien relancer ça cet été. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, et mettez un pouce. Je vous remercie. Ciao.